viennent d'organiser la première édition de l'Ultra Narrow Race sur les îles Lofoten à 300 km au nord du cercle polaire. Pourquoi cette destination? Simplement parce que c'est un lieu unique. On a des paysages de montagne, de hautes montagnes qui plongent dans l'eau. C'est des paysages qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Et puis la particularité aussi, c'est le soleil de minuit. Le soleil ne se couche pas, donc on a profité d'une lumière permanente pendant toute la durée de l'événement. Ce qui est marquant aussi, c'est la difficulté du terrain. On connaît beaucoup de courses de montagne, celle-ci est particulière, notamment parce qu'il y a beaucoup de passages difficiles, très techniques, sur un parcours de 160 km, près de 7000 mètres de dénivelé positif et négatif. Beaucoup de parcours sont existants, mais il y a également beaucoup de hors-pistes, donc une technicité très, très difficile sur une distance qui est relativement longue. Think about amazing running adventure. So I saw the kind of adventure they organize the Norway race, and we have a 116 kilometers no stop and in the mountain in the Lofoten, Iceland. And I checked the Google search the latest photo. I said, wow, that is amazing pace. Bueno, estoy muy emocionado, muy feliz. Ha sido un sueño de vida. Estar aquí en este hermoso lugar, corriendo mi tercera carrera del Roadster Continental Challenger. He tenido la suerte ya de correr en Bolivia, de correr en la India, y ahora, Dios mediante, voy a hacer este hermoso recorrido. Esta es la primera edición, se presenta con un clima, parece bastante duro, va a ser arriba de la montaña, y bueno, la idea es hacerla lo más tranquilo posible, ya que vengo de Australia de hace poco tiempo y estoy un poco cansado, pero con la cabeza puesta en terminarla. This is tough race to the top mountain, and you saw there's a 1,000 mountain. They still have snow, and the wind is very strong. And the sun always 24 hours in the Euro top hand around and around. So wow, but it's not easier. Técnicamente va a estar difícil. Habrá que cuidarse, habrá que darse tiempo. Espero que sea una carrera mágica, que a pesar de que me canse físicamente, yo estoy seguro que me voy a recargar espiritualmente. I think this is different, absolutely different and wonderful adventure ultramarathon. Welcome to the Ultra Norway Race. On est à quelques heures du départ, nous sommes sur un beau soleil aujourd'hui, malheureusement les conditions climatiques qui s'annoncent pour les deux prochains jours ne sont pas favorables et par conséquent on a décidé de chanter 2-3 parties de l'itinéraire pour pouvoir avoir un itinéraire sécurisé. Donc l'Ultra Norway sera cette année 90 km avec un peu plus de 4000 mètres de dénivelé positif et négatif.
there's always room in life for this. Lluvia, neblina, cansado físicamente, pero mentalmente muy fuerte y listo para seguir corriendo. Ah, that is awesome. Ya del límite. Bah, c'est comme à la maison. Hein? Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a du technique, mais super. Para mí los ultramaratones comienzan desde el momento que decido hacerlo. En Venezuela tenemos una situación económica muy difícil, la situación mía particular también es complicada. Mi sueldo aproximadamente al mes es de 30 euros, con lo cual ha sido un gran sacrificio poder estar aquí representando a Venezuela. Bueno, así voy demostrándole a Venezuela y al mundo de que cuando se quiere algo, siempre con mucha pasión, mucha humildad, teniendo los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, se pueden conseguir las cosas. A veces para llegar del punto A al punto B, hay subida, bajada, vale la pena siempre el sacrificio. Soy una persona que, contra todo pronóstico, tenía una expectativa de vida de 18 años, ya que nací con un problema grave en el corazón, me operaron dos veces del corazón, y bueno, desde entonces he sabido apreciar cada momento. Cuando veo un paisaje, no tengo problema en pararme a observarlo, grabarlo en el disco duro de la memoria y bueno, llevar eso, que ya al final lo que nos llevamos a la tumba, siempre los recuerdos y los buenos momentos, y sabiendo que todas las cosas que pasan nos pasan por algo y bueno, disfrutando la vida. ¿Cómo estás? Más o menos. Donc la course est partie depuis une dizaine d'heures, on est en train de vérifier la position respective des différents coureurs. Les conditions météo sont vraiment difficiles, donc on est en train de voir, il y a certaines zones avec du brouillard, avec du vent, d'autres où on a des petits soucis de ruisseaux qui se transforment en rivière, donc on vient d'envoyer une équipe sécurisée avec des cordes. Voilà, des conditions très difficiles pour cette première édition, mais pour l'instant on est sur toutes les positions et tout se passe bien pour les coureurs. Un poco mojada, a bit wet, but I'm having a great time. Nice. Enjoy. See you at the end. Oh, it's climbing and slow running. Climbing, slow running, but it's very tough. Ah, qué bueno. C'est pas facile, hein? Ouais, qu'est-ce que tu dis? Il y a des difficultés, hein? Il y a un peu d'eau, un peu mouillé. Hello, how are you? I'm fine. From my window, please hear me, oh, my daughter wants to come home. She longs to be with you, to hug you, to kiss you, to never leave her alone. That dance on the sidewalk, she's waiting. I expected on some of the stages, like this one, to be able to run something. And others can, but I can't run this. You know, and that's me. Others can run, but
I can't run this. Vicente, estoy muerto. Porque estoy cansado, no sé qué me pasa. Encima este clima que me tiene odioso desde que largué la carrera. Vengo protestando con el tema del clima. Una cosa que el frío, que me saco, que el calor, que me seco, que me mojo. C'est une course par rapport au temps qui m'a semblé très spéciale, je pense, parce qu'il n'y avait pas la nuit, mais j'ai eu beaucoup moins de tendance aussi à regarder ma montre. Le fait de courir pendant des heures avec gens qu'on ne connaît pas, mais on vit des moments intenses, d'autant plus que ces moments intenses, cette année exceptionnelle, elle était avec des conditions climatiques exceptionnelles. Là, c'est sympa, on a fait le tronçon là à 4. Et puis moi, j'ai pas envie de les quitter, je les aime trop, moi, les gars, les trois gars là. C'est ça aussi la course. Hein. C'est faire connaissance avec des gens. Oui, on vit des moments intenses. C'est tough. C'est tough. Très dur. Je rajouterai très, très dur. Très, très long. On s'inscrit à des trucs comme ça. Parce qu'on est persuadé que peu importe le temps, on va prendre plaisir là-dedans. C'est ça la passion du trail. Ce sera une autre course quand je reviendrai et que je la ferai avec le soleil. Première édition, la météo nous a gâtés. C'est la dernière étape de notre challenge continental, le Roadsign Continental Challenge. Notre ambition était de pouvoir organiser une course différente sur chaque continent. Et la différence, elle se fait avec l'environnement. On est passé il y a quelques mois de l'outback australien à cette semaine des montagnes norvégiennes. Nous serons en quelques temps en Afrique, puis en Asie et encore un peu plus loin en Bolivie. Donc à chaque fois, ce sont des destinations différentes avec des conditions de course différentes et aussi des profils de course différentes, courses plus ou moins longues, avec des terrains plus ou moins accidentés, et c'est ce qui fait la richesse de ce challenge. Son carreras únicas, totalmente distintas a una carrera de asfalto. Se sufre bastante físicamente, pero se disfruta también y bueno, son carreras que se van a recordar toda la vida. Il est vrai que pour ce type d'événement, lorsqu'on a plusieurs kilomètres à parcourir pendant près de 24 heures pour certains, le faire avec des zones de brouillard, sous la pluie, c'est des conditions qui sont très difficiles. Et je crois qu'on peut vraiment être fier de ces coureurs qui ont, pour la première fois, ouvert la voie de l'Ultra Nord Race. Please hear me, oh, I am your daughter wants to come home. She longs to be with you. To